Mais c'est merci encore, Nandeng, tout le monde en a rambino. Grâce, il y a la magie, il y a la technologie, oui, ça l'a tout le monde en a. Voilà! Dans le cadre de l'actualité, nous ouvrons l'essentiel de l'actualité sur le séjour du chef de l'État à New York, qui n'est pour prendre part dans la 78e session de l'Assemblée générale des États-Unis. Oyo, à ça, il y a un discours. Et avant discours, le chef de l'État a tenu une conférence de presse. Oyo, Lilo, aussi, nous allons essayer d'en parler parce que c'est une conférence de presse qui est. Oyo, Lilo, ça, le débat. Non, non, non. Dans l'opinion nationale, aussi, les mêmes conférences de presse, Oyo, Lilo, même. Bertrand Bisimwa, le patron du M23, a réagi par rapport à la conférence de presse au Rwanda. Kagame a réagi dans la Jeune Afrique, kaka na conférence de presse au Rwanda. Togolobelem, kaka conférence de presse, et Bimissima Kambwebele, kaka conférence de presse, Henri Maggi revient encore dans les médias pour lancer le défi à Félix Tshisekedi et demande un débat contradictoire contre Félix Tshisekedi par rapport à Yadil Oyesalama Ndenge Azuila à pouvoir. Ça, selon Henri Maggi. Voilà les débats autour du compromis africain lors de la tenue de la conférence de presse par les chefs de l'État à New York, conférence de presse où il y a plusieurs. La presse internationale, Izalaki Wana Oyo a répondu à la question Nyonso. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons en parler au cours de notre l'essentiel de l'actualité, parce que ça fait débat. Comme je vous ai dit, l'actualité est autour, il y a séjour, il y a chef de l'État, où il y a participé dans la 78e session, il y a Assemblée générale, il y a Nations Unies. Nous allons en parler, mère. Amazon, l'épouse des défunts, Papa Wemba, a surpris Augustin Kabuya lors de la célébration, il y a ma victime, il y a Bango, il y a 2016, il y a l'élection en 2016, ma victime, ma combattant, il dépasse Oyo. Batumbara, na 2016, Maman Amazon, Abimeli Augustin Kabuya pour plaider. Problème naïe, Oyo, Pasteur Marcelo a craché la mémoire il y a Papa Wemba et Kinkeser et Mener. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons en parler toujours du déploiement des kits électoraux dans Mbandaka ou déjà comme Salma. Les personnes ne s'attendaient plus dans l'élection en 2023 par rapport où on a évoqué retard et financement, on a évoqué retard et déploiement et les avions aussi. Il y a eu par rapport au monde, nous n'avons pas des avions pour déployer les kits électoraux. Et voilà, à Mbandaka déjà, pas déployer mes bandits dans Mbandaka, vous allez suivre ça en image. Oui, M23 prépare un assaut. Toujours, c'est par rapport à la conférence de presse. Tenu fait ce de New York, conférence de presse où il s'est dit que non, même M23, pendant que Bazan a trêve, maintenant vous préparez bien les mains ici, où il peut Bazan déployer Bango la nuit. La société civile à Massissi, Bazan de Bazan, ça la révélation. Il y a où ils ont collé cas na Massissi Kuna et le nouveau gouverneur militaire intérimaire. Peter Chiri Mwani, yepe, c'est ça qui positionne par rapport au climat dans Nord Kivu, par rapport à un dernier soupçon Zali que RDC a attaqué tout le mouvement au Union Soviétique Est Kuna, Amérique expliquant au Burundi au cours, il y a l'essentiel. De l'actualité, Safou, Daniel Safou, honorable Safou, Bazobieto, Audio, Ebimi, Audio Bolandaki, et Tigibatou, Nabarem, Naba,
na ba suspense le contenu vraiment ils à la clarté par rapport il y a audio il y a Daniel Safou. Pourquoi Marcelo ne s'excuse pas? Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes branchés sur Top Kin Info. Abonnez-vous massivement, likez, aimez notre vidéo. Nous allons commenter maintenant l'actualité. Bienvenue à vous encore, mesdames et messieurs. Vous êtes là, comme je vous ai dit, l'actualité autour où il y a ces jours, il y a chef de l'État, où Lelo est créé polémique. Mais le point, l'essentiel, Togolo Banana, le discours à chef de l'État, où le Congolais, où le Congolais, où le Congolais, où le Congolais, où le chef de l'État, mais chef de l'État, à l'objet. Chef de l'État a créé qu'on réaffirmer sa position par rapport à la population qui n'a pas été réclamée. Entre autres, le départ de Monisco. Chef de l'État a créé qu'il y a Monisco décembre, faut vraiment quitter Kinshasa. Faut décembre, faut Monisco à Kenya. Par rapport à la réalité sécuritaire, surtout nos compatriotes qui vivent au niveau de l'Est. Et s'il y a une démarche, il y a des morts, premièrement, il y a ma revendication à départ, il y a Monisco. Oh, Monisco, plus de 20 ans, incapable de sécuriser la population à l'Est. Et certaines, je dis que non. Nous précipitons le départ à Monisco, mais nous, le gouvernement a des conséquences qu'il y a après. Si Monisco accueille en décembre. Et ça, c'est ma solo. Oh, Lelo, quand même, dans le discours à chef de l'État, les Congolais sont d'accord. Il y a un chef de l'État. Point Moussousou, oyo to mekaki ezaki markaki ba Congolais, oyo ezaki sanction de toute personne, oyo baza impliqué, de toute personne physique et morale, reconnu comme les auteurs et les co-auteurs, y a complices matériels et intellectuels. Y a Makambozo Salama. Dans l'Est, il y a la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies à procéder à sanctionner bateau nions. Boter y a ba crime, n'a pas coter y a ba crime. Ba sanctionner ba. Et ça point au sousou que les Congolais Bazaki d'accord, le chef de l'État. Et voilà ce que nous pouvons dire concernant le discours à chef de l'État dans le volet de la sécurité en République démocratique du Congo, surtout particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a réaffirmé sa demande. Na niveau il y a tribune il y a Nations Unies oyo lelo ndenge nti kolobawa chef de l'État a signé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà le point oyeza ki majeur na discours wana et na ngak na bosana un dialogue oyo M23 manda azakozela na Kinshasa. Je crois que M23 a soi qui réponse na ye. Quand chef de l'État était à la tribune des Nations Unies pour dire que dialogue moko ko salama a soi qu'on envisageait dialogue moko te na M23 soit a soi qu'on zela dialogue a wana Kinshasa a ko soi dialogue. Et voilà la raison pour laquelle Bertrand Bissimo s'est rendu compte que
Kinshasa a un schéma où il y a bangote. Schéma à copier la République démocratique du Congo. Et il a tenu des propos. Oyo, je crois que Bolanda Kindengaza Koloba. Que si fait Tshisekedi ne veut pas le dialogue, même le président Moussa Koya après fait Tshisekedi, la paix est que quota. La partie est la République démocratique du Congo. Donc, pour comprendre que non, aussi longtemps, Kinshasa pour dialoguer dans M23, cette partie, au M23, a ça occupé et Tikali Yaba. Et Kotikali Yaba. Avec ma science, Bazana Yaba. Et, Maramouetali, soit attaque moko la RDC alimosa na ba front M23 pe ba lobby que non si la RDC ose ko taquer ba position na bango ils vont réagir durement et la raison pour laquelle M23 maintenant commence à renforcer à déployer il y a une nouvelle unité selon la société civile à Rutshuru dans Masisi Kuna. Il y a un groupe, il y a des jeunes qui ont été formés dans la Zamba. Après la formation, ils ont déployé partout où ils sont, dans le front, dans le front. Na ba parti on yoso ba okipe. Na ba ligne de front yoso. Or. Et la raison pour laquelle le nouveau commandant gouverneur militaire intérimaire Peter Chirimwani a oti ko sala sorti médiatique par rapport à ba position les patrons M23. Mais cette fois-ci, je peux vous le dire, ça mâche mes mots, que nous sommes déterminés à rester là, sur le territoire congolais, à nous défendre, à nous battre, jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Et qu'advienne, enfin, quel que soit ce que le monde dira, quel que soit ce que Kinshasa dira, nous sommes déterminés à résister et à trouver des solutions, s'il faut, même par nous-mêmes, mais qu'il faut que cette situation-là prenne fin. Il faut que les causes des conflits soient réglées. Et nous allons les régler, soit avec le gouvernement congolais ou sans le gouvernement congolais. Oh, il y a ça qu'on a accusé RDC, on a attaqué ma position là-bas. Et bien, on peut pas être prêt à attaquer. Et selon société civile, il y a un assaut qui se prépare contre les FARDC et les groupes y a autodéfense. Là, c'est la société civile qui vient annoncer plan y a M23 par rapport y a climat qui se passe entre la RDC et Rwanda. Mais, donc, on a dans la vidéo d'abord, il y a le gouverneur militaire intérimaire Oyo Azako expliqué que les Congo bazoko observer les FARDC bazoko observer cesser les faits jusqu'à présent. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, son excellence général-major Peter Chirimwami, a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023. D'abord, l'axe Goma Kalengera. Le général-major Peter Chirimwami ragaillardit le moral des éléments FARDC de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général. Puis, son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma Kibumba.
Dans tous les cas, les chefs des opérations militaires au Nord Kivu procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées, mais aussi les services spéciaux. Ils posent des questions sur la logistique et la tactique. Enfin, ils procèdent à des réaménagements. Tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie. Ça veut dire que je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Le chef des opérations se veut respectueux du cessez-le-feu instauré par le chef des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si le M23 tient à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la cohabitation civilo-militaire, voici ce que répond le général-major Peter Chirimwami. Il y a eu des incidents entre Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Bataco observé, nanou cesser les faits. Au cas où M23 osera d'attaquer les FARDC, moi je pense que il y a un peu que ça la débit. Il y a guerre. Pour revenir dans le dossier Italie, conférence de presse au Norbaki, qui vraiment, ils ont créé polémique au Lélo. Même Harry Magi apparaît encore, puis à l'obibako Kangaï sous-souté sur les compromis à l'africaine. Terme utilisé par François Hollande. Oyo, même les politiciens, Bazoa Yango, armes de destruction politique que la politique va utiliser à la compromis à l'africaine, bien que fait ce qui est du recours à la conférence de presse, à l'objet, il a lancé un défi si quelqu'un a un preuve à brandir en mot et susciter le débat et susciter Henri Majaï pour apparaître. Alors, il y a un monde qui était déjà à l'objet là, il y a un monde qui a. Mais on ne comprend pas, nous sommes dans la période où tous les coups, dans notre quotidien, vraiment, mais tous les coups sont permis. Ce qu'on a dans notre quotidien, le coup, il y a des politiciens payés. Mais dans la FCC, les deals n'étaient pas pour donner fait ce qu'elle dit. Le pouvoir. Le deal est salaka. Ba salaka deal na bango pour na koyokana. Entre fait ce qui a gagné la présidence, FCC a gagné le parlement, il fallait maintenant un compromis à la trouver. Soit ba keina cohabitation, soit ba keina coalition. Bah ça la coalition. Il y a un moment qui FCC caché Salamaka. C'est ça leur discours. Bien qu'il y ait certains militaires, militants, de PPRD, boycotter ça, il y a eu des cadres. Bah au cadre, il y a PPRD, il y a FCC. Bah il y a des cadres par rapport à ces polémiques. Faites ça, Azouaka, Azouaka T. Tout l'année qui peut faire, c'est que quand il explique à la conférence de presse que avant les élections, il y a Salamaki. Raymond Tshibanda a proposé à la ministre Yachadar.
Après professeur Mulom, après publication, a sous ce qu'on a. Ça, c'était ma explication. Et la raison pour laquelle il a lancé, il avait à lancé qui débat où il y a Monique, dans le pouvoir, il y a deal, il y a compromis à l'africaine comme quelque chose à qui poser dans ma journaliste. Babi mis sa preuve. Et Harry Magi, à l'opi, à Sengi, débat contradictoire, le chef de l'État. Voilà. Henri Magie a habité dans le cadre de l'économie, avec du populisme, avec ça qui baisse dans les réseaux sociaux. S'il y a un dul, dit les salama, les dit les arana mon côté, ce qui est le cas de mon côté, Monique est un babino, fait ce qui est le cas de la cabine dans ma yéle. Les dit devaient être couchés sur un papier. Et peut-être c'est ça la raison pour laquelle Félix Tshisekedi alors il va y aller ma preuve. Mais Henri Magi demande un débat contradictoire avec le chef de l'État. Congolaises et Congolais, bonjour. Chers compatriotes, l'heure est grave. Je répète encore, l'heure est grave. Aujourd'hui, je vais répondre au président de la République, sortant, le citoyen Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président nommé et sortant, Tshilombo. Monsieur le président sortant, vous souviendrez que j'étais la première personne à avoir dénoncé votre nomination à la magistrature suprême. Oui, je l'ai dénoncé à son temps. J'ai été arrêté, jugé et condamné pour cela. Donc j'ai le droit d'en parler librement sans être inquiété par la justice. Car je ne peux pas être jugé deux fois pour le même fait. Monsieur le Président nommé, sortant. Depuis, Jean-Luc Le Drian, Emmanuel Macron et Corneille Nangamo ont emboîté les pas. Ils ont confirmé ce qui hier était pour moi des allégations selon vous et votre justice. Monsieur le Président sortant. Maintenant que vous avez ouvert la boîte de Pandore, nous pouvons désormais en parler de nouveau. Monsieur le Président nommé, ce que j'ai dit n'engage que moi. Je m'appelle Henri Magi Walifetou, fils de Yelika, fils de Lifetou, fils de Ekila. Et je vous mets en défi. Vous et moi, débat contradictoire, pièce contre pièce, à la RTNC, devant la nation et le monde. Venez avec vos preuves. Que vous avez été élu et moi je viendrai avec les miennes que vous n'avez pas été élu. Bureau par bureau, je présenterai les résultats. Je vous attends à la RTNC. Envoyez-moi une invitation au jour et à l'heure de votre convenance. Je serai là. Si vous n'êtes pas disponible, envoyez Kabuya, il viendra. Mais non, n'envoyez pas votre ministre de communication parce que ce n'est pas de son niveau. À l'époque, il fut encore du FCC et politiquement, c'était au-dessus de lui. Je vous le redis, je vous mets un défi, pièce contre pièce, vous contre moi, à la RTNC, devant les caméras du monde entier. Ramenez vos preuves que vous avez été élu, je ramènerai les miens que vous n'avez pas été élu. Bureau par bureau. Chers compatriotes, le président veut distraire l'opinion pour que plus personne parle du crime qu'il vient de commettre à Goma. Il a commis un génocide, il a donné l'ordre qu'on puisse massacrer un peuple juste parce qu'il appartenait à une communauté qui ne lui plaisait pas. Ça s'appelle un génocide. Monsieur le Président, vous serez jugé. Chers compatriotes, inondez la boîte à messages de la CPI, inondez la boîte email du secrétaire général des Nations Unies, du secrétariat exécutif du Conseil de sécurité des Nations Unies. Inondez. Inondez de vos plaintes, inondez de vos messages, inondez de vos lettres et de vos écrits. Inondez pour que la MONUSCO, la CPI et les Nations Unies puissent s'en saisir et que les présidents sortants puissent être jugés pour crime. Qui est Henri Magi? Où est l'ingé à ça la dépendant chef de l'État? Est-ce qu'aujourd'hui FCC peut perdre? Parce que Thierry Bisso. Comment va donner des leçons
nani azo kosa nani. FCC le kanate na ba télévision pour dire que dit le salamate fait que a gagné les élections. Biso to gagné na na par na na ba député. Oyo même quand fait ce que avait voulu nommer un informateur pour dégager réellement comme la procédure constitutionnelle n'est pas le cas. Au hasard, ils ont gagné la majorité dans le Parlement. Tout le monde a même Jean-Marc Kabound à l'époque, président AIDPS. Alors, la majorité a déjà dégagé. Alors, le lot, il y a un scénario classique. Les moments où ma comment ben on a vérité bien bon la preuve documents allés tout cas débat documents allés documents que bima membre moi FCC a bimé ça documenté mais les Congolais doivent comprendre que nous sommes dans une période où tous les coups sont permis. Est-ce que ça moment il y a débat sur un deal ou salama ou compromis à l'africaine entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Voilà encore une autre distraction dans la classe politique congolaise. Oh, tu as la macam sousse. Oh, la classe politique, il fallait tout l'obéir quand même. Ce qui s'est passé à niveau, au niveau est. La tension entre la République démocratique du Congo et Rwanda. Oh, le Rwanda a nié. Même que non, à soutenir M23T. Azoba que non, guerre. Paul Kagame Azoba. Il y a un RDC qui a un problème. Il y a un FCC qui a un problème. La République démocratique du Congo a un problème. Il y a des compatriotes entre M23 et Congolais. Or, il y a des rapports. Il y a une ONG internationale. On peut les enquêter. Ça a dit que le rapport Rwanda a confirmé que c'est M23. C'est Rwanda qui soutient M23, qui alimente M23. Avec les parrains, la France, Emmanuel Macron, ont récemment été financés par moi, c'est un budget pour l'armée de Bango. Bien que les avancées à niveau, au cours de la tribune, il y a Nations Unies, que non, des sanctions militaires, États-Unis a rompu ma relation militaire dans Rwanda. Par rapport à ma rapport Rwanda. Donc, les politiques congolais oublient les élections. Il y a au moins certains politiciens. Nous devons privilégier d'abord la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avant tout, tant qu'il y a une élection. Et créer un problème. Aujourd'hui, la position RD Sazana. Et puis, il y a une polémique moko stérile. Le débat stérile, sir. Aujourd'hui, on attend au Tokomino, on attend 3 mois. Il y a une élection. Bien que la période de tout ça, période où tous les coups sont permis, le Kouta et Zouakali Bosso. Batouba le Barasousou, Bosso Lote, Batouba Kima Vérité, Batouba Lingesousou Vérité. Malgré ça, est-ce que s'il y a un deal ou compromis à l'africaine, est-ce que tout ça, dans un moment, il y a un débat ou une question, et où tu as un journaliste français à Félix Tshisekedi, ils ont pour piéger Félix Tshisekedi, pour alimenter un débat, surtout dans la période où il y a vers ma campagne électorale, dossier où il y a un. Mais les Congolais avertis, et bien que non, Ezala, dit les Araka, Ezala Nini, mandat, premier mandat si. Congolais retrouvé, Congolais soit retrouvé. Oh, et Salam, et Salani. Nous avons, il y a une certaine classe politique, il y a opposé, nous devons respecter les délais constitutionnels. Tozo Kenina élection. Malgré, il y a des prétendus dialogues, élections, par rapport à retard, il y a un financement aujourd'hui. CENI a commis qu'on déployait
Bakit électoraux. Malgré le retard, il y a quelques jours, et fait ce qu'il a annoncé. Même la tribune des Nations Unies, les élections écosalement en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, là, bah, débat sur conférence de presse, ton obéli sur conférence de presse, ça fait une série de haut l'eau et suscité bah, débat. Et là, moussé encore, bah, débat où est-ce qui tout beau s'en a qui en haut et l'eau débat il faut moi mais encore pour bah, compromis à l'africaine, un deal. Fait ce qu'il y a et pas Yannine. Bah, je suis ma vidéo. Il y a erreur, mon nene. Augustin Kabouya, l'Oba, là où il y a matinée politique, il y a IDPS. Oh, le lot, il y a une difficulté, même, il y a une difficulté à vous expliquer. Voilà, nous sommes dans une période où tous les coups sont permis. Mais l'essentiel, il y a Congolais. Est-ce que il faut tout kende. Dans un débat stérile, il faut tout aller dans le Congo. Il faut tout aller le gouvernement. Ça m'a nous conde. Il faut les sanctionner. Élection que Salama et Salamate, la confirmation du chef de l'État et sa détermination que le délai constitutionnel faut la respecter. Aza démocrate, il faut à respecter selon là, c'est ma propos, il y a Félix Tshisekedi. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons débat qui débat dans le Congo, débat il faut autour, il y a ça. Tout débat il fallait à l'autour, il y a ma réalisation, il y a première quinquennat, il y a Félix Tshisekedi. Banane basali bien, banane basali bien. Débat ça là, tout qu'il y a une élection, tout qu'il y a une élection. Oyo même l'église catholique il y a Seigneur même s'il s'agit de se mettre à main tout y'a aucun abat congolais baba tous les classes politiques et sociales bas aux autour d'une même table pour discuter pour que élections à la vraiment élections beaucoup crédibles transparentes peut bah inscrire nous douter élections à inclusive l'inclusivité à élection oh lelo tout le monde a qui Martin Fayulu V Mena a déposé candidature na ye pe na ba militant na ye et comme poser problème pour na candidature na ye to ibi oyo nyon suza ko lekana kuna trozonga na ngomu kolomu susu dans le cadre il y a l'essentiel de l'actualité. Je vous ai parlé il y a nouveau déploiement il y a ba élément il y a M23 to le bakango déjà kuna oyo na cadre ni na toujours na première question na première si je n'ai dit ça été à conférence de presse où ici c'était qui va débat et belé. Nous avons un pardon de Beléon Balamorokuna. Daniel Safou Bazobi. Vous avez suivi les audios. Il y a Daniel Safou Nengazakolo. Les plans, les complots. Bazalaki Nayango. Daniel Safou a mis la vérité. Daniel Safou Alingi a rejoindre Félix Tshisekedi. Donc Daniel ça face à la politique il y a go finga pour nambo il y a go critiquer pour nambo tolo il est mort il a critiqué pour tout fait ce que dit ma critique on y est sur la salle à la niveau il y a classe politique congolaise ils ont accosé Daniel Saf ton Daniel Saf a accosé les Moïse Katumbi Makamba Daniel Saf a lingué à rejoindre fait ce que dit et la raison pour laquelle Alingi a causé la Moïse Katumbi, Makambu, Daniel Safou, Alobi Bosolo. Bosolo Nyonso Alobi. Daniel Safou. Tu évites Sorazawa, Sorabate Melawa, Ayoka Narasu Souté. A cause de la candidate, à cause de la candidate. Est-ce que. Ensemble, la classe qui est ou la classe qui est. Oh, les lois comme l'Obama, bon Dieu comme l'Obama, oh, y'a à l'objet, on va solo la guinée de quoi solo la. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ça.
les politiciens congolais. Mère Amazon, la femme du défunt Papa Wemba, na messe, il y a ma victime, il y a ma combattant à IDPS, où est-ce qu'il y a Saint-Raph. Maman est collée, elle n'est pas CG. Bon, je ne sais pas, mais il y a la polémique autour de ça. Pourquoi vous ne voulez pas CG? CG, ça n'a pas de mal. Il faut apporter plainte ou il fallait à quelqu'un qui ne l'ait pas secrétaire général à IDPS. Certaines ne vont pas créer moi polémique autour de ça. Est-ce que les relations que Papa ou Mazalaki n'a pas, est-ce que Bazan a impossibilité de porter plainte? Ou il fallait passer par derrière le secrétaire général de l'IDPS pour porter plainte? Un débat, il y a un salon à un papa ou moi, c'est papa ou un défunt papa ou un baguette, comme on a secrétaire, pas secrétaire général aussi longtemps qu'il y a la justice. Si ils se ressentir lésés dans ma propos, il y a pasteur Marcelo. Oye, tout le monde condamne, oye, tout le monde va remettre en doute. Malo banaye que non. Dieu lui a révélé pour la destruction ya bakinois, na bakinoise, na bakinois, ya ba congolais en général. Des personnes, les artistes ont été biso bakoufa. Thématique ya malam ozaki nango ya ko kolobali boso ya cher, mais mal employé. Donc, les Congolais même vont remettre en doute la révélation. À Bossani aussi, il y a certains pasteurs qui détruisent ce qui est la famille Moussoussou. Thématique, il y a malam pour la roule à Moussa, la quinoise, la quinoise, la Congolais en général. Mais mal développé, en citant les noms des morts. J'ai suivi un pasteur. Oh, il a justifié. Mais comment se fait-il quand Marcelo parle des artistes morts, Bakoufa? Des artistes Bakoufa. Et susciter le débat. Et quand vous avez vraiment Kambalo, mais pourquoi citer les noms? Pasteur Oana. Alors, le temps que le Congo a été critiqué à Mobutu, pourquoi ça va tout candidater? Donc, je vais faire une parenthèse. Marcelo a tenu ma propos à pouvoir tenir une thématique qui a bien sensibilisé surtout la jeunesse congolaise, particulièrement quinoise, par rapport. Il y a esprit entrepreneurial. Mais dire que les deux artistes, Oyoba Koufawana, nous avons révélé par nous que on aime la baby sa jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise. Est-ce que ça a une révélation sur ton sentiment? Ou soit sa famille a un problème? Na défunt papa Wemba na kinkese remene. Et lelo ezala ki débat et comme lelo za débat na lo ezala ki débat mais comme débat la famille azolinga ke ne porter Marcelo plainte.
pour accracher la mémoire na bambabe, on ne tire pas la bilance, on ne tire pas sur les morts, on ne peut pas dire les mauvais à Moutakoufa. Un pasteur qui manque la sagesse, un pasteur qui manque l'intelligence. Et la raison pour laquelle, comment se fait-tu que une révélation en Zambé est broquée de naissance Yuan? En tant que pasteur, avec la sagesse, à quoi qu'on borde si j'ai un athée, la façon à qui n'est la kina. À quel plus loin vous comparez, biso ba congolais na ba européen, biso ba congolais na ba américain. Donc, papa Wemba, que c'est remené, ça le logo, il y a ma lamouté. La République démocratique du Congo va contribuer à tenir le coup mon quoi terre ma lame mon corps n'y en sont ma bien à ma paix va contribuer à l'eau comme on était et bénéficiaire pour un mot moutazan ma bien ailleurs yopé Marcelo pasteur Marcelo yoposan à ma bien ailleurs ni n'est parfait côté moussou social ma bête côté moussou salim ma bête côté moussou salim ma bête vous savez pour l'âme. Au bon qu'on reconnaître les deux personnalités, ouais. Na moi bon l'âme bas ça la peine amoureux. Bas ça attend mon l'âme mon côté amoureux. Mais aux autres c'est référé. Na bateau bas élibso homosexualité. Bateau bas autres poussé biso. Toba là entre les humains na bas animaux. Et les animaux toba là. Bateau yo bas élibso la sodomie. Donc, à conclusion, c'est que yo posa pour Batouana, au bossani ma bé à Batouana, au lobby le parti positif na bon mais piso au moni par au moni ka rozuka parti négatif. Ya parti c'est congolais. Ma bé na bango monité. Accoutrement au bon balata au lelo. Les congolais va copier accoutrement wana. Donc yo trouvera un passer à trouver un normal. À tout faire en normal. Voilà la raison pour laquelle je n'ai pas voulu vraiment développer Token de Moulaye pour un repos. Les passeurs aussi ont contribué à la destruction de la génération congolaise. Les passeurs aussi font en partie, fait partie aussi de la destruction congolaise. Nul ne peut dire à sa saint par rapport à leur contribution dans le Congo en termes de destruction. Aussi, merci, les pasteurs font aussi partir. Certains pasteurs font aussi partir. Voilà la raison pour laquelle c'est un débat. Maman, Aleli n'est pas secrétaire général, maman. Le débat, il faut créer un débat. Vous savez, les politiciens, chaque fois, ils ont un mouvement, ça, comme un politisé, mais on a un angle, on a un. Et voilà, on attend Marcelo jusqu'à présent, ne sait pas. Excusez, na même na niveau ya famille et salamité, la famille aussi a préparé une action judiciaire contre pasteur Marcelo. Voilà, mesdames et messieurs, pour terminer, voilà l'essentiel de l'actualité. Il y a Mokolo ya lelo tenga to lobela na bino mwa basije les agbe mwa to développer mwa mingezate. Parce que nous allons revenir sur quelques points d'actualité moussousou par rapport à l'événement de l'Eganambo Kanafiso, surtout pour l'information, nous avons attention jusque là, dans le Katanga Kuna, les choses sont vraiment dans nous bien terre. Il y a un certain climat, nous avons beaucoup de Kuna, et nous avons beaucoup de expliqué beaucoup de choses, nous avons beaucoup de Kuna, et nous avons beaucoup prochainement pour tous les tout simplement ma information mon source est assurée tout le bel amour comme vous avez dit et salamment n'attendez rien plan mauvais un plan mauvais ma bécane a toujours n'attendant les accords salamment les accords salamment.
Bon, je suis dit que Moïse Katumba a vendu une entreprise parmi les entreprises de Tekango. Je suis dit changé le combo pour qu'il m'a payé la taxe. Alors, on va revenir sur ça et prochainement. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Vraiment, merci à vous. Merci à vous. Nos abonnés, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et nous allons nous retrouver prochainement à un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bye bye.